Good afternoon. It's Dr. John Bennett broadcasting from Miami Beach, home of Neurosurgical TV. We have the honor of having the French Neurosurgery Grand Rounds, and we have a neurosurgeon from Reunion, Africa, off the coast, that is running the program. And from here on in, it'll be in French. Welcome, Saïd. Thank you, John. Merci. Bonsoir. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Merci à tous les habitués et merci aux nouveaux. Ce soir, notre invité est le professeur Federico Di Rocco. Le professeur Federico Di Rocco est chef de service de neurochirurgie pédiatrique et au CHU de Lyon. Et le responsable du centre de référence nationale des craniosténoses au niveau des hospices civils de Lyon. Il va nous traiter ce soir les scaphocéphalies et nous le remercions vivement pour avoir accepté de participer à ce webinaire. À vous, docteur Di Rocco. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir d'être devant cette belle communauté francophone. Et I would like also to thank the less French speaking of the group. Le sujet est celui des scaphocéphalies. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Ça va venir, je pense. Pas encore, ça va venir. Donc, c'est un sujet qui, évidemment, intéresse tous les neurochirurgiens pédiatres. Puisqu'il a, c'est la forme la plus fréquente de craniosténose et donc c'est une pathologie commune, mais en même temps, je vais essayer de vous montrer qu'il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas, même si la malformation est relativement fréquente. Donc, bien sûr, on est dans les maladies rares, donc fréquence est toujours avec des guillemets. Donc, on va voir rapidement la définition, discuter des étiologies, des risques associés à la scaphocéphalie, quelle prise en charge, avec quels résultats. Mais avant tout ça, il faut commencer par quelques rappels quand même de base pour ceux qui sont un peu plus loin de la pédiatrie. Vous rappelez donc qu'on a au niveau du crâne différents os qui se développent donc séparés par des sutures avec l'intersection des différentes sutures des fontanelles et que l'ossification du crâne est particulière, différente de celle de la voûte parce que c'est une ossification membranaire directement à partir des tissus fibreux avec des points d'ossification qui vont se faire au niveau frontal pariétal, alors que la base crânienne, elle, va avoir une ossification endochondrale comme le reste du squelette axial. Donc, on a déjà des mécanismes différents avec une donc, protection du cerveau qui s'installe progressivement et une croissance de ce crâne qui va être très importante dans les premiers mois de vie, comme vous savez, et tous les pédiatres savent bien qu'il faut suivre donc, ce fameux périmètre crânien pour comprendre comment grandissent les choses. Le périmètre crânien grandit sous la poussée du moteur qui est le cerveau. Et au cerveau au sens large, c'est-à-dire le contenu intradural. Donc, typiquement, si on a une importante hydrocéphalie ou n'importe quelle lésion, on aura une croissance accrue. Et donc, ça nous permet de bien voir que ces sutures donc, sont bien mobiles, disjointes. Et on voit les noyaux d'ossification des os pariétaux et frontaux qu'on retrouve chez l'enfant avec la large suture sagittale qui s'est disjointe. Inversement, s'il n'y a plus de poussée cérébrale, les os vont se tomber les uns sur les autres, on va avoir des synostoses prématurées, on va avoir des déformations de microcrânie liées au fait qu'il n'y a plus de poussée, on va avoir des craniosténoses secondaires qui vont au-delà du sujet de ce jour. Donc, encore une fois, poussée grâce au cerveau, grande croissance dans les premiers mois de vie, et ensuite cette activité diminue avec une ossification qui va se compléter, mais l'ossification faciale, l'ossification mandibulaire, l'ossification de la base du crâne, elles vont continuer, et on aura un arrêt de la croissance à la fin vers 20-21. Quand ces sutures sont fermées de façon précoce, on va avoir après une perturbation dans cette croissance du crâne. Et là, il faut rappeler la loi attribuée à Virchow, qui décrit donc que la suture permet donc cet accroissement perpendiculaire et que du coup, si elle est bloquée, la croissance se fera dans le même sens que celui de la suture. Donc, si on reprend l'exemple de la suture sagittale, la séparation des deux os pariétaux permet que le diamètre bipariétal puisse s'agrandir. Si elle est fermée, la seule croissance possible, ce sera celle offerte par les coronales et l'ombre de vide, et donc on aura
un accroissement longitudinal antéro-postérieur et un rétrécissement biparital proportionnel. Et donc, ça nous amène à la définition donc, de la scaphocéphalie, qui a des formations du crâne qui s'associent à la perte de la suture sagittale. Et donc, il faut la distinguer de la dolichocéphalie, où on a juste un allongement antéro-postérieur du crâne, donc, qui est une variante de la norme fréquente en fonction des populations, notamment au niveau africain. Et donc, c'est très important de la distinguer de la suture sagittale fermée, où on est par contre dans une situation pathologique. Et on va avoir donc un allongement, et on va avoir aussi un front bombé, on va avoir un pôle postérieur qui peut être bombé, et on va avoir la crête médiane au milieu, témoignant de la fermeture. Donc on va avoir ce retrécissement biparital, et on va voir en fonction des formes, des fronts qui vont être plus ou moins saillants, des pôles postérieurs plus ou moins saillants. Ce qui est important, et ça donne le nom de la scaphocéphalie, c'est qu'on a une crête au milieu, et qui nous permet de distinguer de façon claire de la dolichocéphalie, dans laquelle il n'y a pas d'anomalie de crête médiale, et scaphocéphalie vient du... grec le scaphos, le bateau, puisqu'on avait donc cette forme de bateau renversé liée à cette saillie de la métopique. La scaphocéphalie est donc une maladie rare, le plus souvent congénitale, qui peut être vue à la naissance. Deux fois, le diagnostic à la naissance n'est pas aisé à cause des déformations liées à l'accouchement, mais quelques jours après, on va avoir clairement que la déformation s'installe. Et donc, il n'y aura pas d'amélioration possible. Inversement, dans les formes de déformation liées à l'accouchement, progressivement, tout s'améliore grâce à la croissance de l'enfant. Dans les formes de crânio-sténose, il n'y a pas d'amélioration. Toutefois, il peut y avoir une petite compensation dans l'élargissement du diamètre biparétal grâce à la temporosquameuse qui permet un certain degré d'élargissement, mais pas au niveau des bosses parétales qui, elles, comme vous voyez bien dans l'exemple, sont pratiquement inexistantes et qui témoignent donc de la fermeture de la suture. Cette suture peut même être fermée au niveau anténatal et être reconnue au niveau anténatal, ça reste très rare, très difficile. Vous voyez ici, quand on regarde les mesures de ce qu'on peut voir en anténatal au niveau du périmètre crânien, effectivement, ceux qui vont être après avec une scaphocéphalie confirmée ont déjà un diamètre un peu plus important, une macrocrânie liée à cette crâniosténose. Les diamètres, les index crâniens sont déjà pathologiques, mais il est difficile de faire la distinction parce qu'on a beaucoup de faux positifs. Donc, le diagnostic anténatal d'une scaphocéphalie isolée reste très difficile. Donc, le diagnostic va être donc, clinique à la naissance. Et donc, on va voir cet allongement antéro-postérieur, ce rétrécissement biparétal avec, vous voyez dans l'exemple, une grande bosse occipitale qui est bien marquée. Encore une fois, le périmètre crânien est augmenté dans la scaphocéphalie. La radiologie peut avoir un rôle aussi dans les formes douteuses. Donc, je vous disais, de temps en temps, le diagnostic peut être difficile parce qu'il peut y avoir des déformations qui peuvent être mises en compte sur l'accouchement. On peut avoir des formes qui sont moins marquées. Et on peut donc avoir un aide de la part de la radiologie par l'échographie qui peut montrer l'interruption ou pas de l'os, donc confirmer ou infirmer le diagnostic. Les radios n'ont plus beaucoup de place parce qu'il est toujours difficile de bien comprendre comment se passe, comment est la suture. C'est un examen irradiant peu informatif avec des faux positifs et des faux négatifs. Donc, c'est un examen que vraiment on utilise de moins en moins et on privilégie par contre le scanner qui lui est capable de bien montrer la déformation, de montrer le contenu encéphalique en même temps et confirmer le diagnostic et sa forme isolée de l'atteinte, c'est-à-dire que les autres sutures sont bien perméables. L'IRM peut avoir un rôle pour bien voir s'il y a des anomalies associées cérébrales et surtout pour voir la charnière qui, dans certains cas, peut être aussi atteinte par une forme plus évoluée. Mais globalement, le diagnostic doit rester et est dans 9 fois sur 10, même plus, clinique. La radiologie, par contre, peut avoir un rôle dans la recherche, peut avoir un rôle dans une préparation de l'intervention, mais elle n'est pas en première intention, encore une fois, sauf certaines formes douteuses. Et puis la génétique, on en reparlera aussi, peut amener des éléments pour le diagnostic étiologique, le diagnostic au sens large, mais pas pour le diagnostic lui-même de la scaphocéphalie. La scaphocéphalie est aussi une condition hétérogène, donc hétérogène pour différentes choses, à différents plans. Donc déjà, au niveau de la fermeture, celle-ci peut être complète, et des fois, elle peut être incomplète. Incomplète parce que la suture est encore présente, ou incomplète parce que en réalité le sinus sagittal pousse tellement qu'il passe à travers et que donc on aura une absence de fusion puisque on aura le sinus sous pression qui s'installe dedans. Et cet côté incomplet, on le retrouve à la chirurgie
avec des zones plus adhérentes où on a encore la suture et des zones où on voit clairement cet aspect de, où le sinus longitudinal supérieur se retrouve encastré avec trois côtés ossifiés autour de lui. Donc vous comprenez bien qu'on a une situation anatomique qui n'est pas normale. La scaphocéphalie aussi est hétérogène parce que le retentissement sur la morphologie va être différente avec des formes différentes, avec des formes en selle ou en des formes qui, comme si on avait un cerceau, des formes qui ont plus bombantes devant, plus bombantes derrière. Donc, vous les avez vues dans les différents exemples. Donc, on va distinguer des leptocéphalies, des batrocéphalies, des clinocéphalies, des sphénocéphalies en fonction du type d'atteinte et qui peut être plus antérieure, plus postérieure, dépendant de là où commence la fusion de la suture sagittale et qui va induire donc un rétrécissement focal plus important. Mais le rétrécissement n'est pas que biparietal, le retentissement n'est pas que crânien, on peut avoir aussi un retentissement au niveau de la face, puisqu'évidemment, si le front devient plus bombant, eh bien, il y aura une répercussion aussi sur l'encéphalon nasal, sur l'angle nasofrontal qui va se modifier. Et donc, on va avoir différentes formes, et vous comprenez bien que donc, l'analyse qu'on utilise le plus souvent, malheureusement, est très limitée, puisque la caractérisation principale de scaphocéphalie se fait sur l'index crânien, les rapports entre la longueur et la largeur, mais qui va être peu significativement modifié en cas de ces atteintes plus faciales ou plus basses. Donc globalement, on a un index crânien qui permet de décrire la dolichocéphalie, qui donc à partir de là, avec l'atteinte de la suture sagittale, on est dans une scaphocéphalie pour des valeurs d'index crânien inférieur à 75, mais ça reste quand même quelque chose de très sommaire comme type d'analyse. La suture se ferme, et comme vous avez vu, il y a d'autres choses au-dessous, en dessous. Surtout, nous, neurochirurgiens, on s'intéresse aussi au contenu, donc au cerveau, et on a aussi des modifications au niveau du contenu encéphalique qui peuvent être variables. Il y a, dans certains cas, on peut avoir pas d'espace avec liquidien tout autour du cerveau, et dans d'autres cas, on peut avoir des espaces beaucoup plus représentés, des ventricules plus larges. Et donc, quand on regarde la liane, pareil, on peut avoir des espaces bien représentés. Et quand on regarde ça, on voit bien qu'on a deux populations vraiment de scaphocéphalie, des enfants qui ont, par rapport à ce qui est attendu pour leur âge, comme l'espace sous-arachnoïdien, peu d'espace, et généralement, ils ont des ventricules qui sont un peu normaux. Et puis, il y a d'autres qui ont des espaces élargis, voire très élargis, avec aussi des élargissements des ventricules. Donc, la scaphocéphalie entraîne probablement, dans certains cas, et on va dire à la louche, dans une moitié de cas, aussi un retentissement sur le contenu encéphalique et des troubles liquidiens qui sont souvent modestes, qui ne sont souvent pas au premier plan, mais qu'il faut, quand on le recherche, on retrouve. Quand on regarde l'atteinte sur le sinus, quand on revient tout à l'heure, vous avez vu certains exemples, on a vraiment le sinus qui est complètement encastré dans la déformation osseuse, qu'on devine ici sur la radio. Dans d'autres cas, on a juste une fermeture qui est pratiquement plate, sans aucun compression, sans aucune forme d'atteinte du sinus sagittal. Donc là aussi, une hétérogénéité dans la forme anatomique, non seulement sur l'ampleur et la longueur et le timing de fermeture dans le sens antéro-postérieur de la suture, mais aussi dans son épaisseur et dans sa forme de compression sur le sinus longitudinal. Et ça aussi, ça a un rôle, puisqu'on voit que dans ces formes qu'on appelle en oméga, où il y a une constriction sur le sinus par rapport aux formes plates, on va voir plus souvent les troubles liquidiens qui vont être associés. Donc, on a quand même différents sous-groupes, différentes formes, à la fois anatomiques et à la fois fonctionnelles sur le sinus sagittal. Et puis, bien évidemment, l'hétérogénéité se voit aussi par l'âge dans lequel on voit les enfants, qui peuvent être à différents âges, deux fois diagnostic anténatal, et puis le plus souvent plus tardif, avec des modifications qui vont être plus importantes ou moins importantes en fonction de l'âge, puisque bien évidemment, dans les fermetures tardives de la suture sagittale, toutes ces déformations-là, on ne va pas les voir. On va avoir une perte de la suture sagittale, mais l'enfant ne sera pas scaphocéphale, il ne sera pas dolichocéphale, puisque la fermeture va être plus tardive. Quelles peuvent être les causes de tout ça? Donc, c'est encore non élucidé. Il y a clairement une composante mécanique, des contraintes intra-utérines, des rôles de certains facteurs que peut prendre la maman, donc des problèmes de vitamines et de médicaments, notamment de la thyroxine, mais il y a aussi des causes génétiques, puisqu'on sait aussi qu'il y a des formes familiales, il y a un risque augmenté dans le cas de jumeaux, et puis il y a des formes de scaphocéphalie qui en réalité font partie de syndromes plus larges. On peut avoir des crousons qui commencent avec une scaphocéphalie,
Et on peut avoir d'autres syndromes qui associent les cranioscéliomes, notamment avec la suture sagittale. Ça, c'est juste un exemple. Donc, au départ, on voit la déformation, le retrécissement, le front bombant et un peu qui pousse en arrière. Et c'est avec l'âge, par contre, vous verrez bien qu'on trouve toutes les caractéristiques phénotypiques du Crouzon confirmées génétiquement à VGFR1. Donc là encore, c'est un point d'appel pour d'autres choses. La craniocélose et la scaphocéphalie en particulier peuvent se retrouver aussi dans des troubles métaboliques. Donc on a d'autres étiologies, l'hypophosphatémie, l'hypophosphatasie, les pseudo-hypothyroïdismes, les certaines mucopolysaccharidoses, etc. Donc on a des maladies, donc on va avoir la perte de la suture sagittale, un certain degré de déformation, mais là encore, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, l'importance que cela aura d'un point de vue morphologique. Et donc, vous voyez ici, par exemple, il n'y a pas le gros retrécissement biparietal, même si la suture est complètement fermée, parce que c'est une fusion de la suture sagittale, mais un peu plus tardive. Et donc, l'impact cosmétique sera moins important. Donc, il faut faire attention, parce que dans les scaphocéphalies, il peut y avoir un syndrome sous-jacent. Donc, ça sera dans 10% des cas, mais ce n'est pas zéro. Et puis, bien évidemment, donc, ce 10% va faire changer le nombre d'enfants que vous allez voir avec un problème sous-jacent en fonction de votre activité. C'est-à-dire que si vous en voyez beaucoup, vous allez être amené à avoir beaucoup de syndromes et il faudra rechercher les syndromes sous-jacents qui vont être de façon non négligeable visibles. Tout ça pour dire que le diagnostic, certes, est clinique, mais qu'il y a des limites à cette stratégie de classification purement clinique. Et donc, il faut s'aider par les autres outils qui peuvent être radiologiques et notamment génétiques pour essayer de comprendre ce qui se passe, et d'où l'intérêt d'une équipe multidisciplinaire pour regarder et déterminer s'il n'y a pas des anomalies sous-jacentes et pas passer à côté. Je vous fais un autre exemple pour vous montrer pourquoi c'est important. Ça, c'est un enfant qui a été opéré tout petit pour une scaphocéphalie, étiqueté simple scaphocéphalie par son chirurgien. Il a vu 2 ans après, tout allait bien. Il lui a dit, écoutez, on a réglé le problème, il n'y a pas besoin qu'on suive votre enfant. L'enfant est parti. Et il est revenu 12 ans après pour une insuffisance rénale terminale dans un cadre d'une maladie particulière qui est le Sensenbrenner, une maladie génétique qui va toucher différents organes et se retrouve au stade de en dialyse d'émergence avec un de transplantation, alors qu'un examen plus approfondi aurait pu permettre de faire un diagnostic plus précoce, et en tout cas une recherche génétique aurait permis de faire le diagnostic tôt et permettre une prise en charge plus précise. Donc, vraiment, faites attention, parce que de temps en temps, la craniosténose est un élément d'un syndrome pathologique plus important, et il faut la distinguer, il faut la reconnaître. Et puis, inversement, on a aussi des autres situations dans lesquelles l'enfant a une maladie métabolique, comme je vous parlais, et là aussi, la craniosténose associée, et là, il faut faire la part des choses pour savoir ce qui est dû à la craniosténose. Donc là, faites attention vraiment, parce qu'on peut louper le diagnostic initialement. Vous l'avez vu aussi avec le Crouzon qui n'était pas très marqué et puis petit à petit il devient plus marqué. C'est le cas pour plein d'autres maladies. Donc l'importance vraiment de faire soit une prise en charge multidisciplinaire dès le départ, mais en tout cas un suivi prolongé, expliquer aux gens qu'il faut un suivi important pour ces enfants parce qu'ils peuvent faire partie de choses plus graves. Et puis, d'un point de vue génétique, on a énormément de gènes qui interviennent dans la croissance osseuse. Certains impliquent la suture sagittale. Et encore une fois, certains vont jouer aussi sur le cerveau. Donc, c'est très important qu'on puisse les repérer parce que le pronostic va être dicté principalement par l'atteinte génétique plus que par ce que vous allez pouvoir faire chirurgicalement. Et donc, quelques exemples, ZIC1 ou SMAD6 sont des gènes qui vont intervenir sur le résultat fonctionnel, qui vont avoir un impact sur votre résultat fonctionnel à distance, et alors que vous êtes tout content parce que votre chirurgie s'est bien passée, si les gènes mutés interviennent, ils sont mutés, et du coup, le pronostic de devenir ne sera pas forcément aussi bon qu'on aurait pu espérer. Et puis, comme je vous disais, de temps en temps, la découverte de la synostose peut se faire quand la maladie a déjà étiqueté, et là, il faut comprendre si l'atteinte ultérieure de la suture va entraîner une aggravation du pronostic ou pas. Et on va se retrouver dans ces formes de perte de la suture sagittale, dans les formes plus tardives synostosiques. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de déformation.
Donc, on n'est pas strictement parlé dans la scaphocéphalie. Donc là, il faut faire aussi attention à la sémantique parce qu'on va les appeler scaphocéphalie parce que c'est comme ça qu'on appelle dès qu'on voit qu'une suture est disparue, la suture sagittale disparaît. Mais techniquement parlant, on est seulement devant le cadre du craniosténose par paire de la suture sagittale dans une forme métabolique secondaire sans la scaphocéphalie, c'est-à-dire sans la déformation que vous avez vue typique de l'atteinte précoce, voire neonatale, avec une déformation, une élongation. Et donc, les enjeux vont être différents. Et dans ces cas-là, c'est des enjeux d'HTIC, ce n'est pas l'enjeu de la déformation, c'est le problème de la compression du cerveau. Compression qui peut se voir par le fait que le contenant est trop petit et souvent, ces enfants vont avoir aussi un chiari, donc il nécessite une prise en charge, un suivi spécifique et différent de celui de la scaphocéphalie congénitale. Et donc là encore un exemple d'enfant qui a effectivement une perte de la suture sagittale dans un contexte syndromique, dans ce cas c'était une hypophosphatémie liée à X, mais il n'est pas scaphocéphale pour autant, mais il reste symptomatique à cause de la compression cérébrale. Et donc, là encore, ce que nous apprennent ces formes secondaires, c'est que finalement, le degré de déformation n'est pas un marqueur de sévérité fonctionnelle. C'est purement un marqueur de déformation esthétique. Et que donc, plus l'enfant est déformé avec un front bombant ou un pôle postérieur, on a souvent tendance à dire, ben là, c'est plus grave, mais ce n'est pas forcément moins grave s'il est moins déformé pour ce qui concerne le cerveau. Donc, vous l'aurez compris, le diagnostic de la scaphocéphalie est clinique. Il y a un apport pour la radiologie, il y a clairement un apport de la génétique aussi. Et l'enjeu dans tout ça, c'est la déformation esthétique, bien évidemment, qui permet d'arriver au diagnostic clinique, mais aussi celui du cerveau sous-jacent. Donc, quels sont les risques? Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Quels sont les risques évolutifs? Les risques, c'est celui de la déformation du crâne, bien évidemment. D'une disproportion, c'est-à-dire que le contenant et contenu ne sont plus adaptés, avec le risque d'avoir une compression cérébrale, une hypertension, et puis vous l'avez vu, dans certains cas, on peut même avoir un chiari qui lui-même peut engendrer une syncopie. Donc on se retrouve dans cette disproportion qui peut être au-delà de la pure disproportion intracrânienne, mais aussi une disproportion qui peut toucher la charnière cervicale. Donc quand il y a une hypertension intracrânienne, cette disproportion, donc on a des impressions digitiformes, on a le cerveau qui veut sortir, donc on va voir l'impact de l'os, des lacunes osseuses importantes, donc on peut avoir soit l'impact, soit carrément les lacunes, et on les retrouve même dans les formes plus graves sur la durmère elle-même qui est impactée. Ce risque d'hypertension intracrânienne existe dans toutes les craniosténoses, mais vous voyez qu'il est assez élevé dans les scaphocéphalies, puisqu'on peut l'avoir dans 15% des patients. Et il peut entraîner un œdème papillaire qui peut aller à l'atrophie optique. Donc, c'est essentiel de le suivi ophtalmologique à la fois pour permettre de grader la sévérité au moment initial, mais aussi au moment du suivi pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hypertension intracrânienne. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir cette descente des amygdales cérébelleuses, donc aussi un problème au niveau de la charnière. Donc, la prise en charge va être bien sûr multidisciplinaire, donc avec, comme je vous disais, un apport de la génétique, un apport de la radiologie, mais aussi l'apport de l'ophtalmologie pour permettre de savoir s'il y a un degré de hypertension intracrânienne infraclinique avec une modification au fond d'œil, parce que parfois, ces enfants vont avoir un œdème papillaire alors qu'ils n'ont pas de plainte fonctionnelle bien établie, bien définie, surtout les plus petits, parfois ça peut être compliqué. Quelle va être la prise en charge ? Donc, il existe énormément de protocoles chirurgicaux. Pratiquement chaque chirurgien a sa technique chirurgicale. Donc, vous imaginez bien que c'est très variable. Les principes chirurgicaux, quand même, restent globalement les mêmes. Le principe, c'est qu'on veut changer la forme. On a quelque chose de blond, on veut l'arrondir. Mais à ça, il faut rajouter surtout ce qui est le plus important, parce que là, on est dans la cosmétique. Mais ce qui nous intéresse, nous, neurochirurgiens, c'est qu'on veut réduire la pression qu'il y a pour avoir donc, une absence d'hypertension intracrânienne pour le cerveau. Donc, on veut éviter toute compression, éviter bien sûr aussi la dysmorphie, l'anomalie des progressions, donner le meilleur résultat psychologique et pas seulement corriger. Et donc, on a différentes techniques qui arrivent à aboutir à ces résultats de façon variable, puisque comme je disais, il y a énormément d'options, mais globalement, ce qu'on essaie de faire, ce sont des chirurgies qui essaient de rouvrir la zone fermée, d'élargir pour permettre de corriger les problèmes du diamètre dans les deux sens et éviter la compression. Donc ça, c'est des exemples de techniques dans lesquelles on va lever complètement, donc on ouvre complètement le scalp, on va ouvrir complètement l'os, l'enlever puis le reposer à la fin de l'intervention comme greffe osseuse, mais le sinus était complètement libéré, il est plus comprimé, et on fait des refends latéraux pour permettre d'élargir et avoir une croissance qui se fasse le mieux possible.
Ça, c'est possible chez le tout petit, puisqu'on va pousser sur la croissance naturelle du cerveau quand on les opère entre 5 et 7 mois. Plus grand, on est obligé de faire des vrais remodelages, des reconstructions, des transpositions, des fixations avec des plaques ou des fils ou des fils d'acier pour permettre de maintenir en position les déplacements. Parce que chez les plus grands, il faut aussi notamment élargir le front, le rendre moins bombant, le basculer vers l'arrière pour avoir une meilleure morphologie. Ce sont des techniques dont vous voyez comme assez invasives. C'est pour cela qu'on a essayé de développer des techniques moins invasives d'endoscopie, de ressort, de distracteur ou des découpes moins invasives. Donc le principe reste quand même le même, c'est que ce qu'on veut, c'est de pouvoir libérer le sinus avec des incisions devant et derrière sous le contrôle endoscopique, mais c'est exactement le même principe. On veut libérer le sinus sagittal, l'élargir, pour avoir le meilleur résultat fonctionnel. Et dans ces cas endoscopiques, on met souvent aussi un casque pour forcer l'amélioration morphologique. On peut mettre des ressorts. Donc les ressorts, ce sont des tiges d'acier qui vont pousser latéralement les os pariétaux. Et là, en fonction des techniques, on va ou pas libérer le sinus sagittal. Donc là, déjà, d'un point de vue technique, ça pose un peu de problème. Et les distracteurs, pareil, on fait une ostéotomie et on met des distracteurs qui progressivement vont élargir, mais ce sont des séries très limitées. Il faut après réopérer les enfants, donc même s'il y a des avantages, dans ces cas où on met du matériel, que ce soit des ressorts ou les vis, il faut réopérer. Une autre technique qui ne demande pas par contre l'utilisation d'outils plus particuliers comme les distracteurs d'endoscope ou les ressorts, ce sont les ouvertures cutanées ciblées, c'est-à-dire qu'on va faire des petites incisions là où on sait qu'on va faire notre ostéotomie, ce qui permet de, en écartant la peau, effectuer une partie de l'ostéotomie par le bas, une autre partie vers le haut, une partie vers l'arrière, une partie vers l'avant, une partie vers le bas, une partie vers le haut. Et du coup, l'os pariétal va être complètement libéré. Et on pourra donc faire cette décompression et élargissement, libérer complètement le sinus sagittal par une petite incision sous contrôle direct, en évitant le large flap du scalp qui a un risque infectieux, un risque hémorragique plus élevé. Donc vous voyez qu'il y a énormément de techniques qui ont été inventées, mais évidemment celles qui sont là les moins invasives fonctionnent mieux chez le tout petit, mais il reste toujours le problème de la visualisation des sites, puisque évidemment si l'ouverture cutanée est plus petite, ben on va voir un peu moins bien la source hémorragique, et donc le contrôle hémorragique peut être moins bon. Globalement, l'idée, c'est qu'il y a un continuum de techniques qu'on peut utiliser, des techniques les plus petites, comme je disais tout à l'heure, l'endoscopie, aux techniques de plus importantes, des remodelages, avec des remodelages à visée esthétique, des remodelages qui touchent le front, des remodelages qui sont que bipariétaux. Quand il n'y a pas d'atteinte esthétique, on ne va pas faire une chirurgie esthétique, bien évidemment, notamment dans les formes métaboliques, mais on va faire des chirurgies de décompression purement volumétrique pour libérer le volume du cerveau pour éviter qu'il y ait cette fameuse disproportion. Dans tous les cas, il y a des risques chirurgicaux, notamment hémorragiques. Donc, il faut le faire avec une très bonne équipe d'anesthésie, avec des protocoles sérieux et stricts de transfusion, avec une réanimation des soins continus après, parce que le risque principal, c'est le décès des enfants. Et les enfants scaphocéphales, ce sont ceux qui meurent le plus dans les cardiocéphalies. Ils meurent plus que les plagiocéphalies ou les trigonocéphalies. Et les décès arrivent par déplétion hémorragie aiguë dans l'immédiat pendant la chirurgie, mais parfois, on peut avoir des décès aussi dans les heures qui suivent après, par CIVD, par des mécanismes qui ne sont pas encore très clairs. Donc attention, ce sont des formes où il peut y avoir une mortalité, voire une morbidité des séquelles, ça a été décrit. Donc les séquelles, on les a souvent parce qu'on peut avoir des hémorragies importantes au niveau des veines qui vont émissaire au sinus longitudinal. Donc là aussi, les ostéomies jamais trop près du sinus à cause de ces veines. Mais on peut avoir aussi une mortalité retardée dans la phase de réveil d'une chirurgie qui s'est bien passée par des mécanismes de CIVD. Ce qui est important de retenir de tout ça, c'est que le traitement de la craniosténose n'est pas seulement de faire l'ostéotomie. Vous l'avez vu, il y a une prise en charge plus complexe qui va se faire en fonction de l'étiologie, en fonction du mécanisme causal et qui va être adapté. Donc, il y a différentes ostéotomies qu'on va pouvoir utiliser, qu'il faut adapter au type de déformation et au type de patient. Et puis, des prises en charge qui peuvent être différentes. Par exemple, en cas
de maladies métaboliques, comme vous voyez ici, la plainte principale, elle est liée à cette syncomélie. Donc, même si le patient est dolichocéphale, même s'il a une scaphocéphalie métabolique, son problème va être celui de la charnière, et c'est la charnière qu'on doit opérer pour permettre une récupération. Donc, il faut connaître les différentes techniques en fonction de l'âge, en fonction de la plainte, en fonction du type de déformation, en fonction du syndrome sous-jacent, et toutes ces techniques, il faut que vous puissiez les connaître pour éviter de faire toujours la même technique à tous les enfants, alors qu'il faut qu'ils puissent avoir une technique adaptée à leurs problèmes. Et puis, bien évidemment, il faut après un suivi, puisque vous l'avez vu, il y a certaines choses qui peuvent survenir après dans le devenir de ces enfants. Donc, c'est très important qu'on regarde et qu'on comprenne quels vont être les résultats, parce qu'on va avoir plein de résultats au niveau cylique, mais aussi au niveau fonctionnel. Et c'est encore une fois qui nous intéresse, nous, neurochirurgiens, ce sont comment ils vont aller au niveau cérébral. Puisqu'il existe un risque de sténose secondaire, il y a un risque qu'il développe quand même une hypertension intracrânienne. Il y a un risque qu'il n'ait un pas bon développement neurocognitif. Donc, il faut l'expliquer aux patients, aux parents. On opère votre enfant, mais il faut toujours le suivre parce qu'il ne sera pas forcément libre d'affaires. Il y aura le risque qu'il fasse des synostoses des autres futurs. Il y a un risque qu'il fasse d'autres problèmes d'hypertension intracrânienne. Il y a un risque qu'il faille le repérer. Et même s'il ne fait pas tout ça, il peut avoir, et vous l'avez vu tout à l'heure, notamment s'il y a DIC1 qui est muté ou SMAD6, des résultats cognitifs qui ne vont pas être bons. Et donc, il y a un risque de sténose secondaire, même des années après la chirurgie. Ça, c'est un exemple après la forme endoscopique. Un très bon résultat bien modifié, sauf qu'il va fusionner les différentes sutures. Et donc, on va se retrouver avec une pansynostose post-chirurgicale quelques années après la chirurgie. Et ce risque de fermeture se trouve, vous voyez, quand on enlève les sutures, on peut l'avoir, et quand on ne les enlève pas, on peut l'avoir aussi. Donc, vous voyez, on ne touche pas les sutures, on va faire des craniectomies qui vont être juste en avant des lambdoïdes, en arrière des coronales. Et bien, quand on fait les contrôles après, on va se retrouver qu'on a des synostoses, notamment des sutures coronales, dans 10% des cas. Et dans 1% de ces enfants, il faut les repérer. Donc, c'est un risque qui est à 1%, ce n'est pas énorme, mais il n'est pas nul. Et inversement, si on enlève toutes les sutures, on enlève les lambdoïdes, on enlève les coronales, quand on fait les contrôles, on retrouve des fonds d'ossification artificielle, mais on retrouve quand même chez ces enfants-là. On retrouve les lambdoïdes dans 86% des enfants, même si on les a touchés au moment de la chirurgie, on les a enlevés, et les coronales dans 2/3. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, un, qu'on ne sait pas tout. 2, que les mécanismes de croissance sont différents, parce qu'on va retrouver, dans 9 fois sur 10, les lambdoïdes se retrouvent, elles sont belles. Et pareil, dans ces cas-là, là, quand on ne touche pas les sutures, c'est plus souvent la coronale qui se referme. Donc, il y a encore des différences et des choses au niveau de la physiopathologie de ces sutures que nous ignorons. Et j'espère que les plus jeunes d'entre nous seront intéressés pour le découvrir et nous les apprendre. Quand on regarde tout ça dans le suivi, encore une fois, il faut faire attention parce qu'ils peuvent développer une hypertension intracrânienne. Donc, ce n'est pas seulement juste regarder, comprendre la physiopathologie de ce qui se passe, c'est le résultat cognitif pour ces enfants. Donc, vous voyez, dans une série, dans ce gros centre européen de Rotterdam, 80 patients avaient la strip craniectomie. Dans 10% des cas, pratiquement, on a retrouvé dans le follow-up un œdème papillaire. Donc, c'est quand même non négligeable. L'autre problème que peuvent avoir ces enfants, c'est l'inverse, c'est qu'ils ne vont pas ossifier et qu'ils vont garder des lacunes. Et encore, ça va dépendre du type de chirurgie et de l'âge du patient. Évidemment, le problème, c'est quand la lacune est médiane sur le sinus sagittal, où il y a l'intérêt à faire une crânioplastie, soit par un splitting du calvaria, soit par des graftes, ou de n'importe quel matériel, mais en tout cas, laisser une grosse ouverture de quelques centimètres carrés sur le sinus sagittal chez un enfant qui va se développer peut être problématique et donc nécessiter d'une prise en charge. Et donc, vous voyez, ça, c'est une autre raison de suivre les enfants que vous avez opérés à cause de ces risques de lacunes mal placées, et d'où l'intérêt de faire, je vous ai montré tout à l'heure, les greffes au niveau du sinus sagittal pour que cette ossification puisse se faire au moins sur le sinus sagittal. Donc, dans tous les cas, le follow-up doit être long et est indispensable. Quels vont être les résultats d'un point de vue fonctionnel? Donc, on a vu d'un point de vue chirurgical, d'un point de vue morphologique, ils sont bons. D'un point de vue chirurgical, ils sont globalement bons. D'un point de vue fonctionnel, eh bien là, on se rend compte qu'il reste quand même des enfants qui, malgré la chirurgie, vont avoir des problèmes cognitifs qui vont apparaître, qui vont se démasquer petit à petit. Et donc, vous voyez qu'on peut retrouver des problèmes d'apprentissage dans 40% des formes de sutures sagittales. Et donc, on retrouve
différentes atteintes. Ce n'est pas forcément des profils complètement homogènes de retard, mais ils peuvent être en difficulté dans certains domaines, dans l'attention, dans la construction et visualisation spatiale. Et donc, on a des profils cognitifs qui peuvent être assez hétérogènes, là encore, avec parfois des problèmes dans l'inhibition du contrôle visuel, une distraction facile. Et donc, vous y comprenez bien que cette distractibilité va jouer à l'école avec donc des problèmes. Et du coup, ce qui est encore une fois très important de rappeler, c'est que ces anomalies vont se démasquer avec l'âge. C'est-à-dire que l'enfant peut très bien se comporter à l'école en maternelle où la demande cognitive et l'effort cognitif restent limités. Et puis, par contre, vous voyez, à partir de 10-15 ans, à démasquer des problèmes cognitifs, des difficultés à l'école par cette distractibilité qui va au lycée entraîner une chute du rendement scolaire. D'un point de vue de la pression elle-même, les résultats globalement sont très bons. Et vous voyez, dans une grosse série où ont été mesurés les enfants qui ont été opérés avant un an de vie ou après un an de vie, globalement, la pression intracrânienne reste très bonne dans la très grande majorité de cas. Donc, 9 fois sur 10, il n'y aura pas de problème de pression. Donc, par contre, il peut y avoir toujours, vous l'avez vu, de temps en temps, une disproportion plus tard, d'où l'importance de faire de suivi par fond d'œil ou idéalement par un OCT qui va être plus précis pour l'étude du nerf optique de la papille, et l'importance de faire ces suivis de QI et de tests neuropsy pour savoir si l'enfant présente des troubles de l'attention, présente des difficultés cognitives qui vont nécessiter une prise en charge spécifique pour que le résultat final soit le meilleur possible. Donc ça, c'est vraiment pour insister sur le fait qu'il ne faut pas qu'en tant que chirurgien, on se concentre juste sur combien a duré ma chirurgie, est-ce qu'il a été transfusé ou pas, est-ce qu'il est resté longtemps à l'hôpital ou est-ce qu'il a une belle cicatrice. C'est sûrement des critères très importants, mais là encore, dans notre partie neurochirurgicale, il n'y a pas que chirurgie, il y a aussi la partie neuro, donc c'est très important aussi qu'on s'intéresse au devenir fonctionnel, au résultat fonctionnel pour qu'on puisse permettre d'améliorer. Et donc, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, il y a une pléthore de techniques chirurgicales. Et donc, l'effort des années à venir n'est pas tant de développer des nouvelles techniques, mais celui de comprendre laquelle est mieux adaptée à quel malade pour permettre d'avoir le meilleur résultat fonctionnel au final. Donc, c'est essentiel qu'on ait une meilleure classification nosologique de la scaphocéphalie parce que vous avez vu qu'il y a différents types avec différentes atteintes. Il faut qu'on définisse mieux les procédures chirurgicales parce qu'il y a encore un grand problème de ce que moi j'appelle une ostéotomie linéaire, un autre va l'appeler une craniectomie de suture, un autre va l'appeler un remodelage, etc. Et du coup, on va comparer des choses qui sont différemment comparables et du coup, c'est essentiel qu'on arrive à développer des séries homogènes avec des critères objectifs et pas seulement oui, il était joli, oui, les parents étaient contents du résultat de la cicatrice. Et tout ça pour qu'on puisse avoir la bonne technique pour le meilleur devenir fonctionnel du patient. Donc, au total, la scaphocéphalie, c'est une perte de la suture sagittale, certes, mais pour être une vraie scaphocéphalie, encore une fois, il faut la dolichocéphalie associée. Et inversement, la dolichocéphalie n'est pas forcément une scaphocéphalie. Et toutes les pertes de suture sagittale ne sont pas forcément scaphocéphales. Il y a des risques morphologiques, bien évidemment, mais surtout ce qui nous intéresse, nous, c'est la disproportion crânio-céphalique, le risque de compression, le risque de développer un chiari à distance. Donc ça, c'est dans les formes plus tardives métaboliques et la déformation morphologique plus importante dans les formes précoces. Différentes étiologies, génétiques, métaboliques, mécaniques, où est pour l'instant inconnue, avec toujours, dans la majorité des cas, un grand point d'interrogation de pourquoi ils ont fait ça. Plusieurs techniques de correction, ça, vous l'avez vu, qu'il faut adapter à l'âge, qu'il faut adapter aussi à ce qui est disponible, évidemment, comme plateau technique, et bien sûr, l'importance de la prise en charge anesthésiologique et réanimatoire pour ce type de chirurgie qui entraîne souvent un équivalent de choc hémorragique pour les patients qui ont un faible poids. Les résultats globalement dans la prise en charge multidisciplinaire sont très bons, mais il faut encore un suivi très important, à la fois clinique, ophtalmologique, neuropsychologique et scolaire, parfois radiologique si on a des doutes, et puis, bien sûr, adapter en fonction de la génétique, parce qu'évidemment, on va changer complètement des cases. Si on va trouver, comme je vous ai montré tout à l'heure, un syndrome de Sainte-Marie, un Crouzon, etc., là encore, on va sortir de la scaphocéphalie isolée et il faudra adapter la prise en charge en fonction de la maladie sous-jacente. Donc, je vous remercie.
pour votre attention. Et puis, je reste à la disposition. Donc, je remercie tous mes collaborateurs, les collègues des différentes spécialités avec qui nous offrent cette possibilité de prise en charge multidisciplinaire. Et je suis à disposition pour répondre aux questions éventuelles. Thank you very much. Merci beaucoup, Frédérico, pour cette excellente présentation. On va passer aux questions. On va voir si Adrien, est-ce que tu es là? Okay. Je voulais poser une question. Oui, pardon. Allez-y. Dr. Omar, can I speak? Yes. Yes, Omar. Yes. Thank you for all, and Dr. Said, Dr. John, and the lecturer. This attention to me, the underlying syndromes of sagittal synostosis, okay? Mm-hmm. The underlying disease is the first one. Second one, I have one patient, too much scissors, microcephaly, fundoscope is normal. Too much scissors and crying too much. Here, I took two cases here. I no compressed on the brain. The father and mother need to make operate and tell them no benefit. No. What do you think, please? No, if it is a microcephaly without compression and without compression, there is no need of surgery, and surgery can be worst for the patient. Yes, yes. It's a very important. If you. I always give the example for the patient, which is quite simple, of the shoes and the foot. So yes. if your foot is 36 and your shoe is 42, you don't work well. Yes. So there is no need to change the shoe. Okay. If the shoe is 36 and the brain is 36, it's perfect. I transfer to Turkish and return same things. I tell him not need any surgery. But parents tell him to die because too much crying and scissors. I do nothing for him, for this patient. No, if it's a microcephaly, there microcephaly is no microcephaly. Microcephaly is a suture thing. It's kinesthesis. This is all sutures is crossed. But no compressed, brain not compressed. Yes, but I show you the example at the beginning. In case of microcephaly, you will have a secondary closure. But the problem is that the motor is not pushing the bones. It's not the problem of the bones. Okay. But as a very good with this nice sagittal kinesthesis, there is underlying diseases, syndromes. Yes, this is very nice. In a lot of cases, okay. There can be a syndrome. Which need to be searched. And like always in medicine, if you search it, you may find it. If you don't search it, you will never find it. Not anyone find it, yes, yeah. Okay. Thank you, thank you. Thank you. Federico. Thank you. So I have a question about from Massimiliano Sanzo. I usually have 5 years of follow-up. As I show you, 5 years can be too little. The child, usually you operate them around one in the first year of life. So if you stop following them when they go to school, you will miss all the problems that these children might have. So from a surgical point of view, it's okay, but from a medical point of view, is not okay. Again, this is the example I show you. The diagnosis of the sense and brain was done 12 years later. So it's really important in the pediatrics as a rule to follow the patient as much as you can. What is important again is that you can explain to the families that things can occur, but as I told you, you can have secondary closure,
you can have defect in closure and you will miss them if you stop at 5 years. So the child might come back because it has headaches. And if you, the family thinks that everything has been solved because you did the surgery at 6 months, they can even think that the headaches the child complained at age of 7 is migraines, is other things. So you can have a delay in the diagnosis of the problem. So really it's important that your follow-up is long enough. Yes. Yes, John? No, I'm sorry. Any questions? For the moment, no. Je voulais savoir, Federico, pour du point de vue technique, je sais que tu fais de l'endoscopie et de la chirurgie ouverte classique. Actuellement, les indications de l'endoscopie et de la chirurgie, on va dire entre guillemets conventionnelle, de la craniosténose. Ben, actuellement, les indications sont un peu encore controversées. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même très intéressant parce que l'endoscopie, dans tous les domaines, je ne sais pas, une ventriculocystis anastomie ou la chirurgie endonasale, ont été acceptées de façon immédiate, sans aucune arrière-pensée de la part de tous les neurochirurgiens. Là, l'endoscopie pour la craniosténose, elle n'a pas été acceptée. Donc, de façon aussi homogène et immédiate, parce qu'il y a une réticence à faire une chirurgie qui est moindre. Encore une fois, le gros du problème, c'est que malgré ça fait 50 ans qu'on fait ce type de chirurgie en routine, on ne sait pas encore bien, je pense que j'ai été assez clair, définir quels sont les enjeux spécifiques pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a certains qui vont faire une chirurgie qu'ils vont appeler ouverte, mais dans laquelle ils vont garder le sinus sagittal complètement comprimé. Et donc, le prototype de ça, c'est la chirurgie qui a été dessinée par le clip de Jane, la chirurgie du pi, qui est donc un pi grec, parce que la forme de l'ostéotomie rappelle un pi, où ils avaient une résection d'une bande, petite bande, donc vue d'en haut, une espèce de trait qui prend un peu de coronal, traverse la suture sagittale, va de l'autre côté, et puis deux traits parasagittaux. Et donc ça permettait de tirer un peu l'os pour raccourcir le diamètre antéro-postérieur, et ça faisait pousser un peu latéralement. Donc vous comprenez qu'intellectuellement, on tirait l'os frontal en arrière pour réduire ce diamètre, ce qui était au prix d'une compression sur le sinus sagittal et sur la dure mère. Après, il faisait des études cognitives et il disait ben, ce qu'on a opéré et ce qu'on n'a pas opéré, il n'y a pas de différence. Mais ce n'est pas surprenant parce que c'est une chirurgie dans laquelle on gardait une compression sur le cerveau. Au contraire, on l'augmentait même pour qu'il y ait à nouveau une poussée latérale artificielle. Donc, ce n'est pas surprenant que les enfants n'allaient pas forcément mieux d'un point de vue cognitif, d'un point de vue de l'hypertension intracrânienne. Donc, tout ça pour dire que il y a énormément de techniques qui ont été dessinées et principalement, toutes ont été basées sur les critères 1, esthétique, et 2, de risque chirurgical. Et donc, l'endoscopie, elle est née tout simplement pour ça, en disant, je fais une endoscopie, je change la chirurgie, je fais juste enlever la suture, j'enlève juste la suture, je leur mets un casque après pendant 4, 6, voire 12 mois, et après, je suis content parce que la forme, elle est bonne, et comme j'ai enlevé la suture, intellectuellement, j'ai libéré. À partir de là, donc ça, quelque part, moi, ça m'allait parce que tu as libéré le sinus, tu as enlevé la suture sur le sinus. À partir de là, les gens ont détourné en disant, ben, écoutez, à ce moment-là, je fais des ostéotomies paramédianes, comme avec les ressorts, je laisse la compression et je regarde ce que ça donne. Et on ne sait pas si c'est anodin ou pas de laisser cette compression sur le sinus sagittal. Vous l'avez vu, dans certains exemples, tu as carrément le sinus qui sort tellement il est sous pression, qui traverse, qui puis retourne intracrânien. Donc moi, je pense pas que ce soit physiologique pour le cerveau d'avoir ce régime de pression de façon prolongée et que du coup, c'est plus intéressant toutes les techniques dans lesquelles il y a effectivement une libération du sinus.
Donc là, ce qu'on fait maintenant d'un point de vue endoscopique, c'est qu'on essaie de répéter la même ostéotomie qu'on faisait à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on va ouvrir sur les côtés, on va ouvrir latéralement, on va ouvrir derrière et on va ouvrir sur toute la suture longitudinale sur 4 à 5 cm pour qu'il y ait zéro compression. Et donc maintenant, l'espoir, c'est que cette technique endoscopique soit équivalente au bon résultat qu'on avait quand on faisait la technique conventionnelle de libération. Voilà. Donc la question est encore ouverte. Donc j'espère que ce qu'on offre aux patients actuellement reste bon. Donc le critère principal reste l'âge, parce que tout ce que vous avez vu en endoscopique et autres mini-invasifs ne marche plus une fois que l'os est devenu trop dur. Donc à partir de 6 mois, il faut passer à du conventionnel. Donc déjà, ça réduit de beaucoup l'accès à la chirurgie endoscopique, parce que si le diagnostic est fait à 4 mois, automatiquement, le temps qu'on fasse, on voit l'enfant, il sera trop vieux pour une technique. Ensuite, pour répondre à la question de Massimiliano Sanz sur la corrélation neuropsychologique justement et âge à la chirurgie dont on parle, oui, il y a une corrélation. C'est-à-dire que je vous l'ai montré à la fin, les enfants qui sont opérés après l'âge d'un an généralement ont des résultats en termes de QI moins bons que ceux qu'on opère avant 12 mois. Et ensuite, on a vu dans les derniers travaux qui ont été faits par les équipes américaines, qui ont été très contestés, mais en tout cas, ils ont quand même lancé le pavé dans la mare, qu'en fonction de l'âge, on avait des résultats qui étaient meilleurs quand on les opérait petits. Donc, ce qu'on sait, qu'après 6 mois, il faut faire du total voltage remodeling, donc grand remodelage crânien de la voûte. Avant les 6 mois, c'est encore controversé, mais probablement, le total volt continue à donner des meilleurs résultats que l'endoscopie de la subcraniectomie seule. C'est pour ça que ce qu'on fait à Lyon, par exemple, c'est pas une strip craniectomie seule, c'est un remodelage, mais par voie endoscopique. Ce qui change principalement, c'est l'ouverture du scalp. D'accord. Le prix à payer, c'est qu'on a moins bonne vision des points de ciment. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Massimiliano, question? Okay. Je voulais savoir l'âge, pour toi, la chirurgie de la craniosténose, la limite. C'est-à-dire, si on voit un jeune de 9-10 ans avec des troubles d'acquisition de langage, un bilan neuropsychologique un peu perturbé, sans œdème au fond d'œil, et est-ce que avec une craniosténose évidente, est-ce que la chirurgie à cet âge peut apporter quelque chose en sachant que les troubles neuropsychologiques peut-être vont rester? Alors voilà, donc l'indication, alors l'intervention que vous avez vue et les interventions quand on parle, quand on est fier à 3, 4, 5 mois de vie, ce sont des interventions prophylactiques. Donc c'est une intervention qui est faite pour éviter que les choses puissent se dégrader. Les enfants ne sont pas en HT ici au moment où on les opère, d'un point de vue de fond d'œil ou de signes, grosse fontanelle tendue qui vomissent. Donc ils sont dans une situation encore relativement bonne, ils ont les autres sutures qui compensent. Par contre, ce qui va s'installer, c'est cette compression sur le sinus sagittal et ce risque de disproportion. Les indications donc, vont être préventives sur le risque de la déformation et sur le risque de l'HTIC. Quand ils sont plus âgés, on a deux cas de figure. On a l'enfant qui a un retard. On découvre dans son bilan de retard qu'il a perdu la suture. Et les enfants qui sont des diagnostics tardifs parce qu'ils sont très déformés. L'enfant qui est très déformé, quel que soit l'âge, peut lui-même le demander en disant « on se moque de moi, je veux qu'on fasse quelque chose ». Donc, ce n'est pas rare qu'un enfant de 8 ans soit capable de verbaliser « je ne suis pas content de mon front, il est trop bambant, se moque de moi à l'école ». Et donc, lui, il est prêt à subir une intervention pour ça. Puis, il y a l'autre, celui qui est en vrai HTIC, celui qui est douloureux, édème ou pas au fond d'œil, l'enfant, il est douloureux, il se rend compte qu'il ne va pas bien. Il est demandeur lui-même de l'opération pour soulager les douleurs. Et puis, il y a les autres cas de figure, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de plainte en termes d'HTIC,
ne sont pas suffisamment déformés pour qu'on soit dans une question esthétique et qui, par contre, ont des troubles du développement. Et là, effectivement, ça reste une indication qui est difficile parce que la probabilité d'une amélioration clinique d'un enfant qui était pendant 10 ans en HTIC chronique latente est purement spéculative. C'est-à-dire que c'est difficile de penser qu'il puisse s'améliorer et qu'il ouais, va rattraper son retard, il va quitter l'ULIS et l'IME pour aller à l'ENA. Donc ça, c'est, reste effectivement très difficile. Et on discute au cas par cas en fonction de l'éventuel syndrome associé, en fonction d'autres signes et en fonction des signes indirects sur la pression. C'est-à-dire qu'on peut faire des études de perfusion, on peut faire des études, comme je disais, de l'OCT, voire mettre des capteurs de pression intracrânienne pour dire, oui, voilà, OK, il a eu probablement un certain degré de déformation, mais il a une pique qui est à 12, ce n'est pas la peine d'envisager une chirurgie pour ça. Ou bien, oui, il a une pression intracrânienne qui est à 25, là, par contre, ça va lui faire du bien. Et on va éviter une dégradation ultérieure de cette pique élevée qui se prolonge. Mais ce sont des cas de figure finalement assez rares. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? There was one question. Do you see that one question? La casque est obligatoire. Do you see that question? Which one? La casque est obligatoire. Ah, yeah. So the helmet, le casque is mandatory in depending on the technique you use. If si tu vous faites un remodelage immédiat, comme je vous ai montré à crâne ouvert. Généralement, on arrive à ouvrir en bois vers les os, voire à les stabiliser avec des plaques ou autres. Et donc, il n'y a pas besoin du casque. Par contre, si plus vous vous limitez à faire juste la suturectomie, plus ça devient indispensable de remodeler après avec le casque. Donc, si votre ostéotomie est large, vous pouvez déjà remodeler au bloc opératoire, même par voie endoscopique, hein, les os, puisqu'il suffit de les maler à la main à travers la peau pour l'arrondir. Et donc, la durée du casque va être moindre. Si par contre, vous ne faites rien, le crâne reste allongé et serré, et du coup, le casque devient indispensable. Et ça peut être plusieurs mois. Question de Massim. There's another question. Alors, la question sur le monitorage intracrânien de la pression, encore une fois, c'est pourquoi l'enfant arrive au moment du diagnostic. C'est là où ça se joue. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un diagnostic à, on va dire, 18 mois. On ne fait pas un scanner qui pose le diagnostic s'il n'y a pas une arrière-pensée quelque part. Donc là, on est, comme je disais, dans différents cas de figure. Ça peut être, il est asymptomatique, mais il est déformé. Il a été voir le médecin, il a changé de médecin parce que le premier le trouvait finalement suffisamment beau. Mais il va voir un autre docteur qui lui dit, « Ouh là là, il y a un fond bonbon, je fais un scanner et on découvre. » Donc ça, c'est un mode de révélation à 18 mois. Ou bien, il y a une plainte de la part de l'enfant. Une plainte ou une anomalie qui entraîne qu'on fasse l'analyse. Et c'est là où tout ça se joue. S'il y a une plainte, s'il y a une autre malformation, s'il y a une anomalie, là, oui, ça a un sens de faire l'intervention. Si, par contre, l'anomalie sous-jacente est tellement grave que le fait d'être avec une éventuelle hypertension ne va rien changer à l'enfant, c'est peut-être pas la peine de l'embêter. Exemple, les mucopolysaccharidoses. Vous avez un morchio, vous avez les hurleurs. Ils ont d'autres problèmes qui vont bien au-delà de la suture fermée. Ils ont une atrophie cérébrale. La fermeture de la suture a de façon exceptionnelle un impact. La plupart des hurleurs ont des sutures fermées, mais ça ne leur change rien, puisque il a une atteinte autre et une atrophie cérébrale qui font que la perte de la suture n'a pas d'impact. Par contre, s'il est en HTIC, minime, ou en tout cas clinique sur des céphalées, etc., là, ça a un sens complètement. Donc, c'est là encore, je ne conseille pas en routine une mesure de pic. Il y a d'autres éléments indirects, l'OCT, les IRM ASL ou les perfusions cérébrales, et surtout, il y a la compréhension de quelle est la raison, la maladie qu'a l'enfant.
Donc, la PIC peut avoir un sens si on se pose la question vraiment d'une chirurgie. Et ensuite, s'il y a une HTIC, non, il n'y a pas besoin de faire la duroplastie. C'est un problème osseux. On fait une décompression. On peut faire normalement, l'os est fin par rapport à une craniectomie décompressive dans laquelle l'os est épais. Si on est dans une situation d'HTIC chronique, les enfants ont un os très fin. Donc, on va juste l'ouvrir et ça suffit. L'élasticité de la duromère, généralement, est suffisante pour faire régler le problème de la pression intracrânienne. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de toucher à la duromère. C'est une chirurgie qui reste extradurale. D'accord. Même dans le KAI. Quand le KAI qu'on a, c'est une disproportion. Donc, on peut le traiter, dans certains cas, en augmentant la compliance de la voûte, en augmentant la compliance au niveau de la fausse poste, mais il n'y a pas besoin de faire une plastique de duromère dans ces formes-là. Intéressant. I think there's one more question there at the end. Jawad, do you see that question? Yes, I answer it. Oh, okay, I'm sorry. Thank you. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Looks like we're clear. Okay. Dr. Federico. Yes. For the spring technique, how much time to inside the patient and remove after what time is? Sorry, for the which technique? You said before about you take spring for the bones not comes to end spring, no? Spring technique. Yes, the spring. Yes. Yes, the spring is titanium and always and we remove after that. Yes, the spring is a titanium spring. I mean, it's a piece of metal that you bend. That has a memory and will push over. It will push back the bones. So you put your spring and the spring wants to open, and so it push the bones. I know. One from the other. Remove after time. You may remove the spring after time or not? Yes, yes. You need to remove them. You need to remove them because otherwise they will be encased in the growth of the bone and will be terrible. How much? Or 6 months? 1 year? We remove or what? Generally, after 6 months. Yes. 6 months. Yeah, thank you. Depending on the enlargement you have. Okay. If you have a very fast enlargement, after 3 months you can remove. But the second surgery to remove the spring. Depending on when you place them, it can be a risky surgery because the spring pushes on the midline. So you have to be careful not to damage veins going to the sagittal sinus. I asked the spring, there's any screw, small screw to move? No, not screws, those are bones. No, it's just the shape of the spring that pushes on the side of the bone. There is no attachment on the bone. No attachment. No. Can you have one photo to see now? Can you? You want a picture? See? Yes. Picture for the spring. Tu l'avais au départ. Yes, just need to. You see it now normally. Yes. You see here. Yeah. So there are different types of spring. This is the spring that were designed by Olson Group in the Swedish group, which is a bent wire, which bent here to fit on the bone, and then it pushes. And you can stitch it to the periosteum to avoid moving up. There's many shaped of this spring, many shaped or many sizes. Yes, normally it's 12, overall it's 12 centimeters. 12. And then this is the English spring that has been developed by Gelani, which is an actual spring because it has a loop here. This is just a wire. There is no loop and it has just a memory wants to open. Here also, this is a more classical spring.
But again, you see here, the problem is that you put them here where they push. And you have to remember that the danger in the scaphocephaly, it is the sagittal sinus, but also the emissary veins that are here, lateral, that can be up to 1.5 centimeters. This is why all these osteotomies that are quite narrow are very dangerous. And they had a big problem in UK because they did the osteotomy at 1 centimeter and they had a massive bleeding, and the hemostasis of the brain led to a big infarct of the brain with a postoperative deficit. So it's really, I cannot advise you to go so close to the sagittal sinus when you want to do this, because when you put it and when you want to remove it, it's risky. So please, when you do your osteotomy, stay at least at 2 centimeters. So I go back to this. I really prefer to be, this is almost 5 centimeters from the midline. So here you can cut, you will never find any problem. There is no adherence, there is nothing. You can really go easily from here to here without danger. The danger is here and in this region, 1.5. This is the dangerous zone. And of course, it's dangerous in this type of situations, just for the tricks, here, when there is no closed suture, because here there is normal adherence of the dura. So you can have, you can open your dura, and if you open it over the sagittal sinus, it can be annoying, let's say. And here, when you have the encasement of the sagittal sinus inside the bone. So these are really the parts you have to be careful. So in this case, the dissection here is quite easy. Here it's tricky because the sagittal sinus is encased in the bone, and here is tricky because you have adherence, and if you are not careful, you can strip the dura. But when you cut from here to here, you risk nothing if you are at least 2 centimeters. Thank you very much, Federico. Thank you. Federico, peut-être une dernière question. Est-ce que tu as l'habitude, tu as déjà vu des craniosténoses sur hydrocéphalie avec hyperdrainage? Oui, bien sûr. Ça, c'est craniosténoses secondaires qui sont un problème. Oui. Qu'on retrouve malheureusement dans les hyperdrainages chroniques, donc sur les valves enfants valvés très tôt. Donc on a des situations comme ça de disproportion induite. On a deux cas, deux familles de cas. On a les déversions kystopéritonéales qui sont mises dans les kystes, par exemple sylvien, qui induisent une disproportion avec un chiari. Donc ça, c'est assez typique. Et les disproportions sur craniosténoses secondaires liées à l'hyperdrainage qui entraînent des fermetures. Et là encore, c'est plus souvent la sagittale et les coronales, et un peu moins souvent la lambdoïde, témoignant d'une physiopathologie différente de ces différentes sutures. En tout cas, ça se voit, et ce sont des formes qui répondent là encore aux crânioplasties, qui peuvent nécessiter d'une crânioplastie. Parce que ça pose d'énormes problèmes, parce qu'ils ont souvent des petits ventricules. Oui, exactement. Ça fait partie du ventricle syndrome, des petits ventricules fentes, avec des problèmes de hyper-hypodrainage, des douleurs chroniques quand ils sont allongés, debout, etc. Plein de problèmes différents. Donc, évidemment, là, le premier message, c'est prévention. Prévention, 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 en évitant l'hyperdrainage, en évitant le siphonnage, en mettant tout ce que vous pouvez mettre comme matériel pour que ça ne draine pas, donc d'une valve à faible débit, d'une valve à régulation de flux, d'une valve avec anti-siphon, anti-gravitationnel, etc. d'un côté. Et puis, quand il est là, on peut être amené à faire des crânioplasties, parce que la crânioplastie va permettre d'augmenter la taille du contenu du contenant et permettre une certaine dilatation des ventricules qui, du coup, va arrêter ce phénomène de valve qui se bloque sur la fente. Tout à fait. Mais la chirurgie reste une très bonne solution. D'accord. Merci. Have you asked that question from Jawad Zihad? Yes. Okay. Okay. Si on n'a plus de questions, on va terminer.
Il y a d'autres questions? No question? Okay, Saïd. Ok, Frédérico, merci beaucoup. Merci, c'est moi. Et j'espère que ce n'est qu'une première participation. On compte t'avoir encore dans ce webinaire. Merci à vous de votre invitation. Et puis après, voilà, je suis à disposition. Vous avez mon mail. Donc, si vous avez des cas qui vous posent des questions ou qui vous interrogent, on peut bien sûr en parler. Oui. Et puis, à bientôt, peut-être pour un autre topic. Si tu... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. OK, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Federico. Federico, thank you. Thank you. Thank you, Saeed. Thank you, Adrian. And we'll see you. Thank Adrian, you, what's the topic next week, Saeed? Do you have that? Is it next week or 2 weeks? Or the disconnection techniques for epilepsy by Dr. Julia Kosu from Switzerland. Excellent. Okay, we'll see everyone then. Stick around to network. See you.